Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir essayer avec moi celle qui a marqué le renouveau avec la Felicia de la marque Skoda dans le milieu des années 90, j'ai nommé l'Octavia, qui en est ici à sa 4e génération. La première Octavia moderne voit le jour en 1996 et elle puise son patronyme tout simplement dans le riche patrimoine de la marque. Et il s'agit d'un beau succès commercial de manière immédiate, parce qu'elle présente une belle qualité de fabrication et un rapport prix-prestation particulièrement intéressant. Et ce succès commercial ne se dément pas au fil des générations. La 4e génération a été dévoilée en première européenne lors du Salon de Bruxelles en janvier 2020. Sous une robe devenue plus aguicheuse, elle présente la même plateforme MQB que la dernière génération de Golf et la dernière génération d'Audi A3. Et c'est donc en toute logique que Skoda va puiser pour son Octavia dans la banque d'organes de chez VAG pour les transmissions et les motorisations. Sous le capot, on retrouve le 2 litres TDI. Ce 1968 cm3 affiche 116 chevaux et 300 Nm de couple. Il est d'office accouplé à une boîte de vitesse manuelle comptant 6 rapports. La motorisation diesel n'est disponible qu'à partir du deuxième niveau d'équipement, appelé Ambition, à partir de 30 685 euros pour la version 4 portes et 31 550 euros pour la version combi. Mais vous pouvez avoir déjà une Skoda Octavia à partir de 24 890 euros avec le 1000 TSI essence de 110 chevaux. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement notre partenaire, le garage Lorenz, concessionnaire officiel Skoda, mais aussi Volkswagen, Seat et Audi à Arlon et Neuchâtel pour leur participation à l'aventure de la pause garage. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Skoda et allez savoir, ce sera peut-être cette Skoda. Mais cette Octavia, justement, parlons-en. Donc il s'agit d'un 2 litres TDI 116 chevaux avec boîte manuelle. Et la finition, c'est la finition haut de gamme, style, vraiment très 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 bien équipée. La couleur, c'est le lava blue. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais cette couleur est magnifique. Vous avez en plus des grandes roues de 18 pouces avec suspension sport qui rabaisse la voiture de 15 mm à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, vous avez un intérieur cuir du plus bel effet. Et vous avez aussi quelques options qui sont pas mal point de vue technique, comme notamment le cruise control auto-adaptatif. Le prix de cette voiture tout équipée revient à un petit peu plus de 41 300 euros TVA comprise. Disposant de la même plateforme que les nouvelles Golf et A3, l'Octavia reproduit des résultats similaires à ceux de ses cousines au protocole de crash test de l'Institut Euro NCAP. Ainsi, l'Octavia décroche 5 étoiles sur 5 avec un taux de protection des occupants adultes de 92% contre 88% pour les plus jeunes. L'Octavia affiche des dimensions de grande familiale avec 4,69 m de long pour 1,83 m de large. Le pavillon, quant à lui, culmine à 1,47 m. L'accès au coffre se montre aisé grâce au très large hayon, motorisé dans le cas de notre exemplaire, et au seuil de chargement bas. Depuis la première génération en 1996, l'Octavia a toujours disposé du volume de chargement le plus généreux de sa catégorie, à une exception près, la Seat Toledo de la première génération, qui n'a été sa contemporaine que jusqu'en 1999. La 4e génération ne déroge pas à cette règle, avec un volume de chargement immense de 600 litres lorsque les 5 places sont là, et de 1555 litres lorsque la banquette est rabattue. Attendez, on fait un geste. Marc, nous avons un envoyé spécial qui a quelque chose à nous dire. Marc, une dépêche peut-être, Marc? Oui, Marc, tout à fait, je vous entends très bien. Je me trouve actuellement dans le garage Lorenz Arlon, concessionnaire officiel Skoda. Et à côté de moi, vous retrouvez la Skoda Octavia Combi qui nécessite un supplément de 920 euros par rapport à la berline dont elle dérive et avec laquelle elle partage longueur, largeur, empattement, mais à quelques millimètres près, hauteur. Son profil de break lui est bien évidemment spécifique et c'est tout au profit du volume du coffre qui est de 640 litres en configuration 5 places contre 1700 litres lorsque la banquette est rabattue. Skoda Octavia, un commentaire? Apparemment, la Skoda Octavia préfère ne pas faire de commentaires à l'actuel. Marc, je vous rends l'antenne. Merci Marc pour ces infos. Continuons l'essai. Il n'y a pas que l'accès au coffre qui est facile. L'accès à bord pour les passagers l'est tout autant. Et à l'arrière aussi.
le plus fort, c'est que la générosité du coffre n'entame pas l'habitabilité, et ça, c'est grâce à l'empattement. L'empattement, pour rappel, c'est la distance entre les roues avant et arrière. Eh bien, l'empattement est 7 cm plus long que dans une Golf. Et grâce à ça, on dispose d'un espace vraiment super généreux à l'avant. Et à l'arrière, dis-moi, c'est comment ? Eh bien, à l'arrière, c'est encore plus impressionnant. Regardez l'espace que j'ai pour les jambes. Vraiment, je peux m'allonger, je ne touche même pas le siège de devant. On a une place phénoménale pour les jambes, on a de la place pour la tête, on a de la place pour les coudes. Il y a pas mal de petites attentions en plus, comme l'accoudoir, comme le pare-soleil ici. C'est vraiment très agréable d'être à l'arrière. La borne qui était moelleuse, le dossier est bien incliné, c'est reposant. C'est vraiment un très très bel habitacle pour pouvoir enchaîner les kilomètres en toute tranquillité. Et ces petites attentions, on les retrouve aussi à l'avant. Vous avez cette petite poubelle qui se glisse dans le vide-poche, comme ça. Vous avez ici un petit support pour smartphone qui se met dans le porte-gobelet, qui se ferme ici. Vraiment, il y a pas mal de petites attentions. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas au détriment du confort. On a vraiment des sièges super agréables. Ici, évidemment, ce sont des sièges optionnels avec le cuir et les réglages électriques. Sincèrement, si vous avez les moyens de vous les prendre, je vous les conseille. À l'intérieur, c'est la révolution. Depuis la deuxième génération, la qualité de fabrication à l'intérieur de l'habitacle est indéniable, mais pas la présentation qui se bornait à faire du fonctionnel et du solide. Ici non, on a vraiment un tout autre niveau qu'une simple berline compacte à coffre. L'intérieur est ultra valorisant. Où que vous posiez vos mains, vos yeux, vous voyez tout de suite qu'on a affaire à des matériaux haut de gamme et un assemblage de qualité. La position de conduite est typique des produits de la marque, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien mis, avec le volant bien situé par rapport au reste du corps, un pédalier qui est très pratique, très bien disposé. Non, vraiment, il n'y a aucun souci, on va pouvoir avaler les kilomètres. Et en parlant d'avaler les kilomètres, ben on va y aller maintenant. Le moteur se montre particulièrement discret, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture. Son isolation vibratoire est tout aussi qualitative et mérite d'être soulignée. Avec 116 chevaux et 300 Nm de couple, la mécanique déplace sans problème les 1349 kg à vide de l'Octavia, comme le prouve le 0 à 100 km/h exécuté en 10,3 secondes et les 211 km/h en vitesse de pointe. La boîte de vitesse mécanique se montre bien étagée, mais le levier et la pédale d'embrayage, trop typé confort pour les amateurs de conduite active comme moi, se montrent avares en sensations. Si vous avez déjà pris le volant d'une Volkswagen, d'une Seat ou d'une Audi, la conduite de la nouvelle Octavia ne vous dépaysera pas. Facile à conduire quel que soit l'état de la route ou les conditions météo, la berline tchèque fait preuve d'un solide aplomb. Notre modèle d'essai était équipé de la suspension passive rabaissée de 15 mm permettant de maîtriser le roulis à la perfection sans pour autant dégrader le confort. Il s'agit d'une option hautement recommandable car elle participe activement à l'agrément qu'on peut éprouver à conduire cette auto. La direction assistance électrique variable se montre directe et extrêmement bien calibrée, et le freinage se montre aussi puissant que dosable. Le confort est typique des produits VAG, on a une suspension qui se montre fermement maintenue mais qui ne malmène pas ses occupants. Les sièges sont fermes tout de même, ça reste la tradition de la marque, et pourtant on est très bien soutenu. C'est vraiment très agréable de se retrouver dans cette voiture-ci. On sent qu'on peut avaler les kilomètres sans aucun problème. La sonorisation, elle est plutôt réussie. Les bruits de roulement sont un peu présents, mais c'est dû à la montre pneumatique ici majorée. Pareil pour les bruits de moteur qui sont très bien maintenus, sauf quand on appuie à fond sur l'accélérateur dans les fortes charges, où là, le moteur se fait entendre. Mais dans tous les autres cas, notamment sur autoroute, on est vraiment dans un silence total et vraiment, on peut avaler les kilomètres sans les voir passer. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Donné pour 4,6 litres en consommation mixte selon le nouveau protocole WLTP, notre modèle d'essai a consommé 5,4 litres au cours de cet essai, ce qui est, au vu de la conduite adoptée, un très bon résultat. Avec 45 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie autoroutière de plus de 900 km. Par rapport à la précédente génération, la nouvelle Octavia se veut toujours aussi rationnelle et pragmatique. Elle en conserve donc le vaste coffre, l'habitacle généreux et confortable, les astuces d'ergonomie, le sérieux de sa fabrication et son haut degré de sécurité active et passive. Elle en profite pour améliorer son isolation et le dynamisme de son comportement. Il est évident que la nouvelle Octavia marque un nouveau jalon pour le constructeur tchèque. Le soin et le raffinement portés à la présentation, tant extérieur qu'intérieur, constituent la preuve la plus visible de cette montée en gamme.
En contrepartie, les tarifs sont devenus beaucoup plus élevés, mais c'est oublié que Skoda entretient une réputation d'une très grande accessibilité commerciale en ce qui concerne les remises, les reprises, les packs gratuits et les extensions de garantie. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure de tourner ces images, la moins chère des Skoda Octavia coûte 20 490 € au lieu de 24 890 €, soit l'équivalent de la TVA qui est offerte. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche de notification. Elle vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Vous pouvez également suivre l'actualité de la Pause Garage sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, soyez prudents sur les routes. Ciao !